Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Il est 8h, aujourd'hui on est le vendredi, le lendemain de Noël. Je suis très très fatigué. Donc voilà, j'ai travaillé hier. Je suis revenu avec l'idée de vous faire une chanson qui est connue au Maroc, une très belle chanson qui a été chantée par Et donc, elle avait fait ça avec un guitariste marocain et un groupe qu'elle avait au Maroc, je crois. Ça s'appelle Houa, la chanson. Le guitariste est très très bon. Elle avait un très très bon groupe. Franchement, deux frères, je crois. L'un d'eux jouait sur la basse et l'autre jouait au piano. Et un guitariste marocain, Saïd. Hussein, très très bon guitariste que j'avais fait enfin j'avais fait sa connaissance. Il était une personne très charmante. Maintenant qu'elle est partie en France, je crois qu'elle est partie en France. Je ne sais pas si elle est toujours au Maroc, mais bon. Elle a un groupe basé en France, je crois, avec de très très bons musiciens. Donc, sans commentaire, on va passer directement sur la chanson. Donc, la chanson est très facile si vous pouvez dépasser les septièmes. Hein? Donc, comme d'habitude, je ne connais pas les paroles, je ne vais pas m'amuser à les déchiffrer. Donc, je vais. Dadou, la 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 la. Donc, un ré septième majeur, un ré bémol dominante, c'est-à-dire une septième. D'accord? Ça continue comme ça. Et la deuxième partie qui est Houali. Alors la première Houali, c'est un. Alors Ré, septième. Un Mi bémol semi diminué, c'est-à-dire un septième bémol cinquième et une ré bémol dominante. La deuxième fois, il fait un passage au ré dominante, bémol dominante, il fait. Il y a. C'est un ré, septième. Le même ré bémol dominante. Moi, j'aurais aimé qu'il mette qu'il le change en mineur, mais il le change pas. Do majeur septième. C'est un si mineur. Ah, c'est le ré. Mais là, alors là. Alors attention, ça c'est la deuxième fois. Donc. Pardon.
Un fa, une fa, fa majeur, enfin fa majeur, fa mineur cinquième. Hein. Et il y a la partie du solo, il la font entre le fa, le ré, le bémol et le si. D'accord? J'ai pas envie d'expliquer. Oui, je suis désolé du bâclage, hein, mais je n'aime pas toucher aux vidéos. C'est-à-dire que je pourrais éditer une vidéo, mettre des trucs qui sont bien travaillés, etc. Mais je perdrais beaucoup de temps. Donc, au lieu de faire ça, je préfère vous donner un truc avec des fausses notes. Et voilà, moi j'ai dépassé l'âge. Du narcissisme, on va dire. Un bonjour à Oum, si jamais il tombe sur cette vidéo. Un bonjour aussi à Hussein, si jamais il tombe sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et à très bientôt. Salam alaikum.